La petite plante dont nous avons la joie de faire la présentation maintenant est celle-là. Il s'agit de Crotalaria retusa. Alors, nous avons déjà dit dans une vidéo qu'il y a beaucoup de crotalaires en fait. C'est la variété retusa. C'est une petite plante qui va mesurer environ, pour ce pied, à partir du sol, hein. Quand on regarde, bon, ça c'est à peu près 60 cm de haut. Mais ça va avoir une hauteur en général entre 50 cm jusqu'à 1 mètre, 1 mètre 25, 1 mètre 50 hein, pour certains pieds. Mais il peut rester aussi très court, hein, hein. Ne dépassant pas par exemple 15 cm. Donc on peut avoir des pieds relativement courts. Alors, c'est une plante que l'on trouve un tout petit peu partout en Afrique intertropicale, mais surtout dans des endroits qui sont relativement humides. On peut le voir ici, hein, particulièrement sur ce sol, on voit des traces de flaques d'eau. Hein, hein, en surface, on voit des croûtes d'argile qui témoignent du fait que l'eau a stagné ici. Donc, il faudrait la chercher surtout dans des endroits relativement humide. Sinon, on rencontre en tout cas dans toute la zone intertropicale. Alors, Crotalaria retusa a, disons, une tige. Quand on regarde à la base, hein, là, on a une tige pour ce cas-là qui est dressée, une tige unique, mais on peut voir que ça s'est ramifié très rapidement. Il y a une branche qui part là déjà. Et bon, dans certains cas, on peut avoir d'autres pieds hein, qui sont juste à côté. Mais voilà, dès la base, on peut dire qu'il y a une certaine ramification qui monte, plusieurs branches qui montent. Et quand on regarde la tige, toujours à la base, on voit que bon, c'est assez ligneux. Il y a du bois là-dedans. Mais les jeunes branches, bien entendu, sont plus souples. Hein. Ce qui est assez remarquable, bon, quand on regarde les jeunes tiges, hein, les jeunes rameaux, on voit que c'est très très strié. Hein. Il y a de nombreuses stries là-dessus. On dit que c'est cannelé, là. Ce qui n'apparaît pas vraiment sur le tronc lui-même, le tronc. Sur lesquels les stries là disparaissent pratiquement, qui se révèlent être d'une couleur plutôt marron clair avec des tonalités un peu claires. Hein. Mais quand on gratte, on voit rapidement l'écorce verdâtre qui apparaît en bas. Alors, donc, Crotalaria retusa possède des feuilles qui sont des feuilles simples, hein, on peut les voir ici, des feuilles simples, je vais prendre ce rameau, qui sont aussi des feuilles alternes, elles ne sont pas opposées, parce que là on voit une feuille là, une feuille là, une feuille là. Donc c'est des feuilles alternes. Et quand on regarde la façon dont la feuille s'attache sur la tige, hein, nous constatons que c'est par le biais d'un pétiole qui est très très court en fait, qui ne dépasse pas en général, on va dire combien, ne dépasse pas 2 à 3 mm. Hein. Donc certains parleraient de feuilles subsessiles, hein, qui s'attachent presque sans pédoncule, sans pétiole, sur la tige. Et quant aux formes de ces feuilles, on peut voir que c'est pas tout à fait obovale, c'est assez lancéolé, donc c'est entre les deux. C'est pour ça certains parlent de feuilles de forme oblancéolée, hein, oblancéolée, hein, c'est-à-dire la combinaison des deux formes. Mais il y a des feuilles même qui sont de forme elliptique, hein, et la couleur est d'un vert un peu, on va dire un vert naturel, hein, sur la face supérieure. Tandis qu'elle devient un peu plus claire en bas, hein, à cause d'une fine pubescence, hein, une fine pubescence ici.
Quand on regarde de près, bon, à l'œil nu, c'est un peu difficile à distinguer, mais la fine pubescence, c'est comme s'il y a des tout petits poils qui sont couchés, sans adhérer, à la surface du limbe. Quand on regarde à la loupe, on voit ça. On dit que la pubescence est aprimée, c'est le terme botanique. Et en haut, ici, c'est bien entendu glabre, il n'y a pas de poils. Hein, maintenant, en ce qui concerne le nombre de nervures, on voit que les nervures ne sont pas très visibles sur la face supérieure, hein, par la nervure principale. Au dos, elles sont plus visibles, hein, même si ce n'est pas d'un relief très marqué. On peut compter donc le nombre de paires de nervures secondaires. Hein. Alors là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 12 à 14 paires de nervures secondaires. Maintenant, on peut donner aussi les dimensions hein, d'une feuille pleinement développée. Disons, on va prendre celle-là, qui est en bas là. Et là, on a une largeur de, disons, à peu près 3 cm, hein, sur une longueur qui va jusqu'à combien? Jusqu'à 8 cm et demi à peu près. Et il est aussi assez remarquable de constater la présence de deux petits crochets là, à la base, hein, hein, deux petits crochets à la base du pétiole, du court pétiole, hein, sur la tige, au niveau même où la feuille s'attache donc à la tige. Toujours en concernant la forme des feuilles, hein, on voit que les feuilles se rétrécissent là où ça s'attache, hein, sur la tige, vers le pétiole, d'une manière progressive. On dit que c'est tuné, mais c'est très progressif ici. Et tandis que elles sont relativement arrondies au sommet, hein, là, avec un petit repli, une petite rétraction d'ailleurs. Et quand on regarde les feuilles un peu âgées, on remarque peut-être pas très bien qu'il y a la présence de microns, hein, de petites aiguilles à l'extrémité, mais sur les feuilles jeunes, on peut le voir, hein, il y a une toute petite aiguille à l'extrémité, là, qui termine donc la feuille, qu'on appelle micron. Alors, avec le développement de la plante, bien sûr, à un moment donné, la floraison va intervenir. Et on voit que les fleurs apparaissent à l'extrémité des rameaux, hein, en grappe. Donc c'est une inflorescence terminale en grappe, regroupée, même si ce regroupement, disons, n'est pas aussi dense que chez le cousin, que nous avons déjà présenté, qui est là, Crotalaria, pallida, on voit une inflorescence beaucoup plus serrée. Sur tout ça, on voit une belle grappe de fleurs aussi, des fleurs jaunes, mais les étendards, les parties qui sortent de l'intérieur des calices, ont des stries, plutôt rougeâtres, c'est ce qu'on peut voir ici, hein, des stries rougeâtres. Là, et même quand on prend là à l'intérieur hein, les pétales, hein, une pétale élargie là, on voit que il y a à la base, hein, il y a des stries qui vont même du rouge hein, au marron pratiquement. Alors, quand on regarde, les pédoncules des fleurs sont assez courts. Là, on a des pédoncules de combien? 1 cm quand même, hein, c'est-à-dire 10 mm. Et ce qui est assez remarquable, c'est que le calice, hein, qui est formé donc des éléments de sépales, eh bien, s'affiche sous forme lorsque la fleur s'ouvre, sous forme de sépales triangulaires. Et j'en compte là le nombre d'éléments, hein, je compte 1, 2, 3, 4, 4 éléments là-bas. Et là, 1, 2, 3. En fait, il y a deux éléments qui semblent un peu soudés, quoi. Donc, en fait, il y a 4 éléments. Hein. Et donc, c'est triangulaire qui remonte, qui vont embrasser la corolle qui est formée
des pétales, hein, et on peut voir la largeur des éléments de pétales. Hein. Là, il y a deux éléments manifestement qui sont collés là, deux éléments de pétales. Hein, si je tire un peu, on voit que ça se sépare là. Alors là, qui forme une sorte d'étendard même. Hein. Quand on regarde la fleur, ça c'est assez visible. C'est-à-dire que là, on peut voir un autre exemple. On a le reste des pétales qui se ferment autour des éléments de reproduction de la plante, c'est-à-dire les étamines, et puis le pistil, tandis qu'il y a un couple de pétales qui forment une sorte d'éventail, hein, qui se met en position ouverte complètement, et ça donne un bel aspect à la fleur même. Alors maintenant, quand on ouvre un peu à l'intérieur de la fleur, on peut voir quoi? Eh bien, on voit les éléments de reproduction. Je ne sais pas si on pourra voir tout complètement. Là, dégage, là, voilà. Le pistil qui se dresse au milieu, et puis donc entouré des étamines, avec des anthères toutes petites d'ailleurs. Hein. Voilà. Donc, une fois que ces éléments sont, disons, l'organe femelle de la fleur est fécondé, c'est-à-dire l'ovaire, eh bien, ça va donner des gousses que nous voyons, ces gousses qui sont des espèces de ballons cylindriques, hein, avec une coloration, disons, assez verdâtre vers le bas, c'est-à-dire la face qui regarde vers le sol, et tandis que elle est un peu violacée, c'est la face supérieure, avec une ligne d'ouverture très 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 visible qui est d'un violet foncé, et on voit toujours attrapé donc par la base là, on voit les éléments de sépales là, qui restent de la fleur, hein, on les voit là, hein, on compte encore 2, 3, 4, hein, voilà quatre éléments qui sont là, qui attrapent ça, et quand on regarde la gousse, hein, on peut prendre sa dimension, elle a une longueur de disons 3 cm et demi sur une largeur de 1 cm, hein, 1 cm à 1,2 cm, quoi. Et donc, ce sont des gousses ballonnées. Alors, donc, ça semble contenir même de l'air. Hein. Alors, si on sépare sur la ligne de division, là, de cette bulle cylindrique, on voit de nombreuses graines qui sont à l'intérieur, qui ne sont pas mûres sur ça, bien sûr. Et ces graines. Et si on les compte, on peut voir quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 de ce côté-ci. Et de l'autre côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aussi. Donc on a au total 18 graines à l'intérieur de cette gousse en particulier. Donc on peut imaginer que le nombre de graines dans le fruit mûr va être autour de ça, quoi. Et on voit la forme des graines à l'intérieur, comment ça se présente. Hein. On dit des petits soldats qui sont alignés, hein, avec chacun ayant une petite queue qui l'attache à la gousse, hein, à la partie inférieure. Et ces graines ont l'air d'une sorte d'éventail, hein, et dont la largeur, elles sont plates. Hein. La largeur, c'est une sorte de disque un peu aplati par la partie inférieure. On va dire même, elles ont une forme de cœur. Hein. Alors, si on regarde la largeur, elle est de l'ordre de combien? De 3 mm, quoi. Tandis que les petites queues qui les attachent à la gousse, à l'enveloppe de la gousse, c'est de l'ordre de 2 mm. Voilà, donc, ça, ce sont des détails qui sont importants de relever sur quant à l'arrière et tout ça, qui, comme on l'a dit aussi, est une plante qui est assez, assez répandue en zone tropicale de savane. Comme nom, hein. Nous avons quelques noms locaux. Au Sénégal, par exemple, les Malinké, là-bas, en langue mandin, ils vont l'appeler Dolengo, crotte à l'arrière et tout ça. Tandis que les Sérères vont l'appeler Toltolin, ou encore Tagakob. Et les Wolofs vont l'appeler Keseg. Au Togo, en Nadja, ils vont l'appeler Azima. Au Bénin, en Nadja aussi, ils vont l'appeler Doukou-Vigbé. Ou bien Doukou-Vima. En fond là-bas, au Bénin, on va l'appeler là l'Inglé, ou bien Azaman.
Tandis que dans la langue Yom, ils vont l'appeler Funor Nyonuyu. Funor Nyonuyu. Et en Yoruba, ils vont dire Queen Yisoro. Queen Yisoro. Donc ça, c'est juste quelques noms à titre d'exemple. Bien entendu, il y a des applications en herboristerie pour Crotalaria retusa aussi. Et nous allons lister à la fin de notre vidéo les différents mots que les herboristes vont combattre en utilisant tout ou partie de cette merveilleuse petite plante que l'on peut contribuer à la, au maintien dans notre biodiversité. D'autant plus que on peut reproduire par les graines, mais la racine est plutôt vivace aussi, hein, donc on peut maintenir cette plante pratiquement tout au long de l'année, hein, en lui assurant un peu d'humidité, soit dans le jardin à cause de ses belles fleurs, cette espèce de grappe terminale qui présente une belle couleur qui tire sur le jaune et parfois l'apparition du rouge avec des stries. C'est très beau à voir. Et donc, on peut aussi les maintenir aussi parce que, à cause des gousses, hein, c'est une plante qui va fixer de l'azote. Ça peut enrichir les champs en jachère. Voilà, donc ça devrait permettre de pouvoir reconnaître cette plante et aider à sa conservation.